بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم « Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta la'alimul hakim » Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer des séries de formations. Mais cette fois-ci, la formation va tourner autour du Saint-Coran et de façon précise autour de la lecture du Saint-Coran. Comme nous le savons tous, chers frères, chers sœurs, bon nombre de musulmans pris bon nombre de musulmans ont appris à, à mémoriser des sourates, mais très souvent, il s'avère que la diction, elle n'est pas correcte. Et la meilleure manière de corriger cette diction, c'est de pouvoir lire vous-même et faire la différence entre les lettres. Cela vous permettra de vous appliquer plus. Enfin, de faire la différence entre les différents sons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la première partie, nous allons essayer de mettre en évidence la différence entre la langue arabe et la langue française. On va faire des comparaisons et ensuite pour rentrer dans le vif sujet du cours. Alhamdulillah, à cet effet, nous allons faire un tableau. On fait un tableau que nous voyons et pour nous permettre de faire une comparaison. Par exemple, ici, c'est le français. Ici, c'est le français. Ici, c'est l'arabe. La première des différences, ou bien la première différence entre ces deux langues, c'est d'abord le sens de l'écriture. Ou en d'autres termes, on dira la direction que prend l'écriture. Par exemple, on va se rendre compte que en français, l'écriture c'est de la gauche vers la droite. Tandis qu'en arabe, le sens est de la droite vers la gauche. Ça, c'est un élément qui est très important. Quand nous allons commencer la lecture, pour pouvoir faire une bonne lecture en arabe, il faut toujours tenir compte de cette direction. Ça veut dire, je dois lire de la droite vers la gauche. Ça, c'est la toute première différence que nous devons retenir. Et le deuxième élément... C'est au niveau du nombre des lettres et la composition des lettres. Comme nous le savons, chers frères, chers sœurs, en français, nous avons 26 lettres. Nous avons 26 lettres. Et les 26 lettres sont composées de 20 consonnes. Et de six voyelles. Ça, c'est le français. Mais quand on, on va en arabe, c'est toute une autre chose. En arabe, nous avons 28 lettres, selon la majorité des grammairiens, mais d'autres sont pour 29 lettres, et nous allons opter pour ça. Et durant le cours, vous allez comprendre pourquoi on a opté pour 29 lettres. Donc nous allons dire, en arabe, nous avons 28 lettres ou 29 lettres. Ça va dépendre et nous allons expliquer lorsque on va commencer la lecture. Et la différence, non seulement, se situe au niveau du nombre de lettres, mais le plus important est que toutes ces 29 lettres en arabe, si on considère les 29, sont toutes des consonnes. Ça veut dire sont toutes des consonnes. Donc, c'est pour nous dire que, contrairement aux Français, où nous avons des lettres qui n'ont pas de son, qui sont les consonnes, dont les voyelles viennent nous aider à donner des sons aux lettres en arabe toutes les lettres sont sans les voyelles donc les voyelles nous allons les voir les voyelles ce sont des signes ça veut dire ce sont des petits traits et des virgules et selon l'emplacement du point ou bien une chose du trait ou bien le nombre du trait vous allez voir que on va commencer à faire ce que nous appelons la lecture et les voyelles. Nous allons faire ressortir les voyelles. Ça, c'était une petite introduction pour déjà nous dire que lorsque nous allons commencer à lire, il faut tenir compte de ça, surtout au niveau de la direction ou bien le sens. D'autres diront le sens, d'autres diront la direction. Ça veut dire de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite quand c'est le français. Cela est. Très très important qu'elle nous donne la bonne compréhension. Donc ça, c'était d'abord une étude comparative entre les deux langues. Deuxième niveau d'étude de, 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 maintenant, on va venir en arabe proprement dit. La langue arabe, quelles sont les premières difficultés que nous devons voir et nous devons prêter attention à ne pas nous laisser distraits par cette difficulté. La première des choses, nous devons savoir qu'en arabe, plusieurs lettres ont la même forme. Mais la différence va se faire au niveau du point ou l'emplacement du point ou le nombre du point. Par exemple, cette forme que vous voyez, nous avons au minimum cinq lettres qui prennent la même forme. Vous allez voir tout de suite. Soyons attentifs. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, ici, je vais placer un point en bas. Lorsque je place un point en bas, le point qui est en bas fera que cette lettre-là, nous allons dire que c'est la lettre B. En arabe, on va l'appeler El-Baou. Le même point qui est en bas ici, si on le met cette fois-ci à l'intérieur, vous allez voir que la lettre qui était ici B va devenir N. Donc, lui, cette lettre-là, on va l'appeler Anoun, qui est N. Cette fois-ci, nous allons associer ces deux points-là, mais cette fois-ci, on va mettre ces deux points à l'intérieur. Si on met les deux points à l'intérieur, on est toujours avec la même forme. Cette fois-ci, nous allons avoir la lettre T que nous appelons en arabe Ataou. Et ensuite, les deux points, si on les met cette fois-ci en bas, vous voyez, on est toujours avec les points et l'emplacement des points. Ici, cette fois-ci, ça va être la lettre Y que nous appelons Eliaou. Et pour terminer avec ça, pour dire qu'il faut faire beaucoup attention, cette fois-ci, nous allons mettre pas deux. Mais surtout trois points à l'intérieur. Si on met trois points à l'intérieur avec la même forme, cette fois-ci, nous allons obtenir un s, mais un s qui se lie au bout de la langue. Donc, on va mettre un petit signe pour que nous puissions savoir que c'est un s. Oui, mais c'est un s qui se lie au bout de la langue. Donc, ça va nous donner. F. Vous voyez. F. Donc, cela est très très important. Donc ça c'est d'abord l'une des difficultés que nous devons croiser lorsque on va apprendre l'arabe. Deuxième difficulté, en arabe nous devons savoir aussi que la même lettre peut avoir plusieurs formes d'écriture, ça veut dire plusieurs manières d'être écrite. Par exemple, nous allons prendre une lettre, on a une lettre qui s'écrit comme ça, mais elle s'écrit comme ça lorsque elle est au début du mot. La même lettre, lorsque elle se trouve au milieu, on va dire, elle va s'écrire comme ça. C'est la même lettre. Donc quand vous apprenez une lettre, il faut faire l'effort de connaître ces différentes formes d'écriture. Et lorsque ça est à la fin, tantôt, elle va s'écrire comme ça. Et tantôt, elle va s'écrire simplement comme ça. Lorsque ici, elle est reliée à une lettre à laquelle on peut relier une autre lettre, à la fin, elle va s'écrire comme ça. Mais si elle vient après une lettre à laquelle on ne peut pas relier une autre lettre, voilà comment elle va être écrite. Donc, cela est très, très important pour l'apprentissage de l'arabe. Et pour cette première partie, nous allons terminer sur un élément aussi qui est important, qui est fondamental, et qu'en arabe, une, nous avons des sons qui sont très rapprochés, mais en réalité, ce pas les mêmes sons. Par exemple, nous avons cette lettre-là. Si je mets un trait en haut, c'est la voyelle A, on va lire ça A, qui est différente de cette lettre-là qui est ha. Vous voyez, la première c'est a. La deuxième c'est ha. Et la troisième, qui est encore différente, elle va être a. On est toujours avec la voyelle a. Donc ici, on va dire a de façon normale, comme en français. Ici, on va dire ha. Comme un h aspiré, ici on va dire ah, oh. là on va au fond de la gorge ah. Oh. Et pour terminer, nous allons cette forme là, elle cette fois-ci on va dire ah. Vous voyez. Donc vous allez voir que lorsque nous allons commencer à lire, vous devez faire beaucoup attention à ça et j'insiste sur ça parce que lorsque nous prenons le premier verset de la sourate Fatiha, nous avons les quatre Forme de A, c'est-à-dire des lettres qui sont proches du son A, mais qui ne sont pas toutes A, et beaucoup de fidèles font heureux. On va vous dire par exemple euh, Al-Amdoulilahi Rabbil al -amina. Vous voyez, on a l'impression que c'est le seul A. Pourtant, nous avons les quatre. C'est Al, le premier, Ham, le deuxième, Doulilahi Rabbil Lillahi. C'est avec ça. Rob Bill, à la c'est avec ça. Vous voyez, donc chers frères, chères sœurs, ça serait vraiment un plaisir pour nous de continuer. Donc ici, c'était simplement nous donner un avant-goût et des difficultés que nous devons euh, rencontrer et surtout ce que nous devons retenir. Parce que nous avons déjà le français ou bien l'anglais. Il faut savoir qu'il y a nettement une différence entre ces langues. Et la différence, nous allons rentrer inshallah. La deuxième leçon, nous allons commencer les lettres proprement dites en arabe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa